Ok. T'entends? Sans les gros lâche les freins, ici c'est Mali familier. Salut, moi aujourd'hui je vais vous parler de Lira et Zazi. C'est deux malous de Seiko et Anoa. Voici Lira, c'est mon premier chien. Je l'ai eu un peu par hasard en 2015, suite au retrouvailles avec un ami. J'étais déjà fort attiré par la race, mais je ne comptais pas spécialement reprendre à ce moment-là. J'étais un peu dans l'ignorance par rapport à l'éducation de chien, mais je n'ai pas voulu suivre des cours de dressage car je ne voulais pas qu'on me dise comment est-ce que je devais élever mon chien. Et j'avoue, ça n'a pas été toujours facile. Elle a quand même fait pas mal de bêtises et elle a quand même détruit pas mal de choses, des chaussures, des jouets, etc. Et un peu tout. Lira, en fait, c'est quand même une chienne assez affectueuse et assez posée. À la maison, elle adore accompagner des gens, elle a besoin de beaucoup de caresses. C'est pas une chienne très, très difficile, et elle obéit quand même pas mal. Pendant les courses, ben voilà, ça nous a beaucoup rapprochés et ça nous a encore plus liés. Mais elle a garde toujours son petit caractère et si elle a pas envie, ben voilà, elle a pas envie. Quand on va se promener, elle écoute quand même, mais elle a besoin de sa petite liberté. Et parfois, si on croise un gibier, elle aime bien aller le trouver. Voici Zazi. Zazi, c'est la petite sœur de Lira. Je l'ai eu en avril 2019. Je l'ai prise un peu par envie, mais aussi pour avoir une compagnie pour Lira. Et aussi pour avoir un deuxième chien sur la course au cas où si Lira se blessait. Zazi, elle a très bien évolué sur Renault. J'ai eu un peu plus facile à la travailler parce qu'elle avait déjà Lira comme modèle et moi j'avais un peu plus d'expérience avec le premier chien. Elle est encore très jeune et reste fort jouette et fofolle, mais est déjà très obéissante. Lorsqu'elle joue ensemble, Zazi a beaucoup d'assurance et elle a tendance souvent à prendre le dessus sur Lira et à s'affirmer. Pendant le confinement, ça le fait énormément bien de m'avoir à la maison. Parce que d'habitude, je pars travailler, donc elle reste toute seule. On profite également de tout ça pour se tenir en forme et continuer à s'entraîner toujours en libre ou en bike. Je travaille aussi beaucoup chez moi à leur faire beau petit chenil pour qu'elle puisse profiter des beaux jours. Et qui me surveille. Et Zazi. Un petit sprint. Allez go, allez go, cours. Allez là. Pendant que je travaille, elles sont derrière moi ou elles jouent ensemble ou elles vont visiter un peu à gauche à droite. Comme j'habite un peu en campagne, rien n'est clôturé ici. Donc elles ont pris tout l'espace pour en profiter. Elles savent ce qu'elles peuvent faire et ne pas faire, donc je n'ai pas à regarder toujours après elles, quoi. Ben voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous et qu'on se reverra très vite sur la course. À la prochaine, salut! Thank you.
maître chien team Mali Family. Avec les potes tous les week-ends, lâche les fauves, démarre la course. Une passion qui fait du bien, tous pour un pour tous. Mali Family, Mali Family. C'est bon. Lyra est un mammifère de 5 ans. Bien que tu veux. Hé, dégage. Laisse-moi être sortie, frère. Elle arrive. Dépêche-toi. Allez.